Je me suis pas encore couchée, mais on y va. Allez, bonjour tout le monde, je vais me coucher. Donc bonne nuit tout le monde. Ah, j'avais trop peur de me coucher toute seule. Ça crame là-bas. On y va? 1, 2, 3. Voilà, déjà on aura de la viande de zombie à bouffer. Je sais, c'est pas très ragoûtant. Là, on a des creepers, super. Le creeper, il faut qu'il me rejoigne et nous allons aller dans l'eau. Tu me suis, s'il te plaît? Excusez-moi pour ce gros mot. Et ben là, on a rien. Ah, un archer. Il est dans la flotte, le pas gentil archer. Oh yes! Il m'a donné des choses, mais quoi, je ne sais pas. Attends, j'en ressors déjà de l'eau. Ensuite, une flèche, merci. Tu sais, ta flèche, tu te la prends, tu te la plies en deux. Merci pour le nonos. Excuse-moi, j'ai rien dit. Rien, j'ai rien dit. Tu la roules, ta flèche. Ah, c'est ça que je voulais dire. Hein? Bon, bah avec ça, on va pas se faire des choux gras, hein. Je réfléchis. Je suis en train de regarder, mais là, de toute façon, j'ai trop tardé à venir voir. Encore une flèche. C'est des os, moi, que je voulais. Alors, je vais prendre ton œuf, ma poule. Ta poule, mon œuf, j'allais dire. Qui est assez terrible dans une aventure comme ça quand t'arrives pas à avoir ce que tu veux, c'est qu'au bout d'un moment, même si t'as dit que tu tuerais pas une bête, ben, tu vois une poule, puis tu dis putain, te ferais bien la peau quand même, ma poule. Bon, déjà, il y avait des Undermen, je ne m'en suis pas pris un dans la tête, donc déjà, c'est très très bien. Alors, ça, si ça peut me foutre la trouille. Puissance 50 000, c'est bien ça. T'as pas des nonos, petit cheval? Non, y a rien là. Je ne vois rien. Bon, et c'est pas le tout. Purée, c'est un cheval. Ah, faut que je change d'endroit avec les chevaux noirs, là, je vais crever. Sans rien. Oh, deux pommes, c'est pas vrai. Oh, la vache, le bonheur. L'autre qui demande où il est le bonheur, il est dans la bouffe. Voilà. Il m'aurait demandé, il n'y aurait pas besoin de faire une chanson. La paix, des oreilles. Oh, quoi? Droit quand même. Oh! Dérapé. Alors? Ouais, je sais, je dis du mal et puis après je dis oh. Voilà! Bon, ben là, ça y est, ça commence à être bon là. Ça y est, ça y est, ça y est. Orphéa, elle est heureuse. I'm so happy, comme dirait l'autre. Voilà. Bravo! Youhou! Ah, du coup, il me donne pas de graines, dis donc.
Bah, ou alors je les ai planquées. Ah si, elles sont là. Ok. J'allais dire, on n'a pas de graines quand on fait avec la poudre d'os. Voilà. Oh, il est bon mon coquelicot. J'adore les coquelicots. Le cheval là-bas, j'ai envie de le tuer parce qu'à chaque fois, je crois que c'est un Enderman. Mais non, je ne le tuerai pas. Parce que je ne suis pas une tueuse d'animaux. Regarde, super! Magnifique! Va replanter, hein. De toute façon, je vais rester peut-être un petit peu là quand même. Je suppose que je vais faire dans la vie ici, mais enfin, sans doute rien. Je vais peut-être faire un petit peu du minage optimisé parce que je n'ai quand même plus de fer sur moi. Et là, j'ai quand même 14 blés. Ça va me faire plein de pain. Et ouais, 4, c'est pas énorme, mais moi je trouve que ça fait déjà plein. les flèches, on ferait rien. Les pousses d'arbres, je sais pas. Je suis toute contente d'avoir à manger. Ouais, je sais, il me faut pas grand-chose, mais c'est rassurant quand même un petit peu quelque part. Hein. J'ai même de la viande de zombie, même si bon, c'est de la chair putréfiée. C'est pas grave. C'est pas grave. Bah oui, c'est pour ça, j'avais pas replanté, dis donc. Ah bah voilà. Pas bien, Orphéa, pas bien. Mais bon, quand on crève de faim, ma foi, c'est pas honteux de manger des trucs comme ça. Il y en a qui bouffent de la merde alors qu'ils crèvent pas de faim, donc. Là, il a faim, mon personnage. Il a vraiment, vraiment, vraiment faim. J'ai envie de faire du minage optimisé sous cet arbre. Sous cet arbre pété. Qu'est-ce quelle heure il est? Oh, déjà? Merde. Oui, j'aurais pu me faire une pelle, je sais. Je sais, je sais, je sais. J'entends déjà vos cris. Je ne me fais jamais de pelle. Je ne sais pas pourquoi. Attends, j'aime les pelles, hein. C'est pas ça. Je suis pas raciste envers les pelles. Loin de là. Mais je ne fais jamais, quand même. Hop, hé, hey, s'il te plaît. C'est quoi ça? Cobble, pierre. Donc c'est bon. Ça va dégager. La viande de zombie, on va quand même pas la manger tout de suite, hein. Faut pas pousser mes nerfs. Hop. Et on va attendre encore que la nuit tombe et voir un petit peu. On a des petits monstres qui pourraient nous donner. Et j'ai quand même affronté un creeper. De quelle heure il est? Ouais, on a le temps encore. J'ai quand même affronté un creeper. J'ai quand même bien géré. Ouais, je sais. J'ai quand même joué facile en allant dans l'eau, mais. Toutefois, j'ai quand même géré. C'est assez rare de ma part pour le préciser. Voilà. Quand Mark Phoenix va voir ça, il va dire, mais tu pouvais pas te faire un briquet. Et tu fous le feu à ton arbre, con. Ouais, je sais, Mark. Point, je n'ai le matériel d'abord. Hein? Je crois pas. Bon, allez. Je retourne là. Qu'est-ce qu'on va manger? On va manger la pomme. Voilà.
après je vais chanter comme Philippe Catherine. Laissez-moi manger ma banane. Ouais, je sais, je chante mal. C'est difficile de chanter du Philippe Catherine déjà en même temps. Et pourtant, je kiffe. Allez, on résiste, Orphéon, on va pas se coucher tout de suite, on va attendre de voir apparaître quelques petits monstres. Et tiens, encore du bleu. Des bisous. J'ai plus de place dans mon coffre, faut qu'on fasse un. Hop, en attendant que les monstres arrivent, on va pas glander, hein. La pof, y a un creeper qui pète derrière moi. Ouais. J'ai bien fait d'attendre. Oui, il n'y a pas assez de hauteur sous plafond, ma poule. C'est parce que je vais pas me promener avec tout ce qui se mange sur moi. Ce serait un petit peu con. Alors, ici, on a toujours des Endermen. Là, on a un arbre qui bloque. Qui bouche la vue. Là où ça doit être une étoile, là, ce n'est point un Enderman. Bon. De toute façon, on se retrouvera après la nuit, dans le prochain épisode. Hein. On a déjà plus le lapin dans le coin, première vue. Et moi, je suis devant la fenêtre, alors que j'ai la trouille. Bon, et on se retrouve dans le prochain épisode, on va voir s'il y a des monstres. J'ai pas hâte. Bon, allez, on souhaite du courage et de la chance à Orphéa, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine pour la suite.